Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous prends à défaut de pouvoir faire une vidéo budget. Je me suis dit, je vais faire un retour de course. De toute façon, il faut que je range mes courses, donc je peux vous les montrer. Donc voilà, donc j'ai été donc juste au Lidl et j'en ai eu pour 146,43 €, sachant que j'avais deux moustiquaires à 13 € l'unité. C'est à peu près ça. Voilà, j'en ai eu pour 26 € pour les deux, c'est ça. Donc du coup, il faut enlever ça, donc ça fait à peu près 120,43 € donc d'alimentation. Je vais vous montrer tout de suite le surgelé, comme ça je vais pouvoir le ranger. Je vous mets les prix ici, ou ici, ou ici, ou ici. Je pense que ça sera là, voilà. Je vous mets les prix parce que je ne vais pas regarder sur mon ticket et vous les dire en même temps. Voilà, voilà. Donc, pour commencer, j'ai acheté, j'ai fait plaisir à mes garçons, des petites glaces Peppa Pig. Voilà, c'est vanille fraise. On verra s'ils aiment. En surgelé, j'ai pris aussi des petites crevettes. Donc, ça, je trouve ça super bien. J'ai ça avec des nouilles chinoises et des poivrons et du lait de coco. C'est super bon. Et j'ai pris des nuggets de poulet. Alors, ils étaient beaucoup moins chers par 20 que par 12. Je n'ai pas cherché à comprendre, du coup. Je les ai pris par 20. Voilà, du coup, pour le surgelé, je range ça et je vous reprends tout de suite. Je viens d'ouvrir mes glaces et je viens de voir qu'elles sont toutes fondues, toutes molles. Bon, on verra ce soir si elles se sont mises bien, mais c'est pas grave. Ensuite, je continue. Donc, j'ai pris des dés de jambon. Donc, ça, c'est toujours bon en salade. J'ai pris deux boîtes comme ça de cordon bleu poudre, les mozzarella. Maintenant, je ne prendrai que celles-là parce qu'ils sont super, super bons. Donc, et à la deuxième ici. J'ai pris des vanille, voilà. J'ai oublié en surgelé, j'ai pris de la ciboulette. Je vais tout de suite le mettre au congélateur. Donc voilà, j'ai pris des champignons, deux pamplemousses. Alors j'ai des doutes sur celui-là, il m'a l'air un peu sec, mais on verra, c'est pas grave. J'ai vachement envie de fruits en ce moment, je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou parce que depuis le Covid, je n'arrive plus du tout à manger chaud, je sais pas. Donc du jambon, moi je prends quand même la marque Herta parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup moins gras que celui de chez Lidl. J'ai pris des sacs alimentaires de congélation, mais ça ne me sert clairement jamais pour la congélation. C'est pas grave. J'ai pris deux courgettes. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Souvent, je fais des merci à ma copine qui m'a montré ça. Des croque-monsieur saumon courgettes et c'est super bon avec de la crème fraîche et j'ai oublié d'acheter de la crème fraîche. Bref, c'est pas grave. Donc je fais des à la mandoline des rondelles de courgettes très très fines et c'est super bon. Ensuite, j'ai pris donc des petits gâteaux pour le goûter parce que j'aurais pas tout le temps de faire des goûters maison. Donc j'ai pris aussi des comme ça, des petits chocos, des petits oreos, des mini. Voilà, du raisin qui a l'air juste trop trop bon. Il est tout gros et tout. Voilà, j'en perds les raisins. Il a l'air trop trop bon. Ensuite, j'ai pris du comté pour mettre dans mes salades. Des barres de cookies. Un petit melon. Je voulais prendre un deuxième. Ils n'étaient pas super beaux. Des brosses à dents. Ah, j'espère que j'aurai le temps de mettre les prix. Des gnocchis. Voilà, ça... Ça passe toujours. J'ai pris du haché parce qu'il me reste des espèces de petites barquettes à tortillas. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Normalement, ça se fait en rond. Et là, je les ai achetées en petites barquettes. Donc, c'est trop pratique pour les enfants. Voilà. J'ai pris, alors, un poisson. Parce qu'en ce moment, je préfère le poisson à la viande. J'ai pris du cabillaud comme ça. Donc, c'est des dos de cabillaud. Donc voilà, j'ai pris ça pour nous les adultes et pour les enfants, parce qu'ils aiment un peu plus quand c'est pané. Des filets de limandre pané, et c'est trop trop bon. Ça, ils mangent. J'ai pris des aiguillettes de poulet. Voilà, parce qu'on peut manger chaud ou froid, c'est ça qui est bien. Ah voilà, j'ai pris quelque chose hein, pour moi. J'ai pris un petit paumé. J'avais trop la dalle quand je suis allée faire les courses, et puis là, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. J'ai pris ça pour quand on va à la plage, des petites briquettes de jus d'orange. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
On va dire, ils ont des gourdes d'eau si on veut, mais des fois, voilà, pour faire un petit goûter, ils boivent très très peu de jus d'orange, de choses sucrées chez nous. Donc j'ai pris ça, clairement ça va me faire tout l'été, je suis sûre. Donc voilà, j'ai pris du sucre qui s'est ouvert. Voilà, ils ne sont pas super bien scellés leur sucre. Du sucre en poudre pour faire des gâteaux, si j'ai le temps. J'ai pris, oh c'est lourd, une baby pastèque. Alors la pastèque, c'est toujours, si vous avez des conseils à me donner pour choisir une bonne pastèque, moi c'est toujours aléatoire, hein. J'ai de la chance ou j'ai pas de chance. Et je me suis pris, enfin, et c'est pas tout, j'ai encore deux sacs de course, un seau pour mon ménage, parce que moi je fais le ménage à l'ancienne, c'est une serpillière, un balai et le seau, et j'ai sort à la main, voilà. En fait, j'ai tout essayé, je trouve que c'est ça le mieux, c'est plus facile. Donc j'ai pris, ils étaient à 2 euros et quelques, et j'adore les petites fleurs comme ça, ça fait vachement été. Donc voilà, je vous fais la suite. Alors du coup, pour la deuxième partie, j'ai acheté du Cadam gel douche, j'adore, je trouve super, enfin, pour moi c'est le meilleur gel douche, c'est le Cadam. Je vais pousser un peu toutes les choses que je rangerai ultérieurement, et je mange un bout de raisin. Parce que le raisin, c'est trop bon. J'ai pris des pêches. Voilà, blanches. J'en ai pris 5. J'ai pris de la pailletade douce que je coupe en petits dés et que je fais rôtir au four. C'est juste trop trop bon. Avec une petite marinade, là. L'huile d'olive et paprika. J'ai trouvé ça. Ah oui, j'avais oublié, j'avais pris ça en non alimentaire aussi, j'ai pris deux autres choses. C'est une brosse qu'on peut clipser, je pense. Il va falloir que je trouve le mode d'emploi. Ah voilà. Et donc, il y a une recharge. Et c'était rien du tout, c'était même pas 3 euros et quelques. Donc, trop bien. Ensuite, j'ai pris des tomates. Là, je pense que je me suis fait clairement avoir, mais c'est pas grave. Du riz, du Nesquik, parce que leur poudre à eux, leur marque à eux, je trouve vraiment pas bon, je trouve ça très très fort. J'ai pris un petit poulet comme ça, je pense qu'on va le manger froid. En fait, je pense qu'on va tout manger froid cette semaine, il fait une chaleur de ouf. Et il était à 5,66€. Et en plus, il est fumé, on sent vraiment que c'est fumé, il est trop bon leur poulet, j'adore. J'ai pris des pommes, j'en ai pris 4. J'ai pris 2 concombres parce que l'été, les concombres, c'est la vie. Ils étaient à 99 centimes l'unité, donc clairement, ça valait le coup. J'ai pris des mousses feuilletées comme ça de la laitière. J'ai pris, parce que j'adore, mais je trouve que ça reste quand même relativement cher, c'est les yaourts comme ça, dessert végétal au citron. Donc, c'est avec du lait de coco. C'est quand même 1,70€, je crois. Les 4 pots, je trouve quand même relativement cher. J'ai pris 2 petits sachets de gruyère. Voilà. J'ai pris des brosses à dents pour le petit dernier, pour Achille. Et j'en ai pris pour nous. Je crois que je les ai déjà montrés, oui, je crois. Donc voilà. N'oubliez pas de changer vos brosses à dents régulièrement quand même, parce que on ne s'en rend pas compte. J'ai pris des espèces de douap, mais de la sous-marque, voilà, des petites briochettes aux pépites au chocolat. Ça, c'est bien quand on va à la plage, pour en porter. J'ai pris 2 paquets comme ça, 2 pains de mie, parce que mes garçons, le matin, aiment bien le pain de mie, n'importe quoi, des pains au lait, ils adorent. J'ai pris 2 comme ça. J'ai pris une petite boîte d'œufs, parce que ma belle-mère, elle me donne des œufs du secours, donc je sens pas mieux. J'ai pris des fruits de la passion pour mettre dans mes fromages blancs. J'adore. J'en ai pas acheté parce qu'il m'en reste. Voilà. J'ai pris, parce que je les adore et que c'est les meilleurs yaourts pour moi, c'est les yaourts bio de chez Lidl. Vanille et nature. Il me reste des natures. Du coup, j'ai pris que des vanilles. Et pour moi, c'est les meilleurs. Ils sont super onctueux. J'adore. Je vous ai montré déjà ça. Donc, c'est un autre paquet de mini chocos. Je me suis acheté des crèmes brûlées comme ça. Alors moi, ce que je fais, j'utilise pas du tout leur sachet de sucre. Moi, je mets mon sucre à moi cassonade et avec mon chalumeau, je brûle et c'est 100 fois meilleur que
avec ce qu'ils proposent de faire. Du maïs, donc deux boîtes de la marque Bonduelle, parce que c'est une marque, le maïs est croquant, il est trop bon. Je me suis pris ça pour ce midi, une petite bruschetta. J'ai pris ça pour les garçons, je leur ai pris un donut chacun. Il y a un sucré et un au chocolat pour tout à l'heure quand ils vont revenir du centre. Et je pense qu'ils vont adorer, ils adorent. Ça avec un fruit et puis un yaourt, ça ira très bien. Et j'ai pris donc pour mon petit dernier des crocs comme ça, Tom et Jerry. C'était 4 euros. Ouais, c'est ça, 4,80 € ou 4,90 €. Enfin, c'était vraiment rien du tout. Je vous mettrai le prix. L'été, lui, il adore marcher en crocs. Malheureusement, il n'y en avait pas pour mon deuxième, pour Marin. Donc, bon, j'ai pris ça. J'espère que la taille, ça ira. Elles sont simples, elles sont bien, elles ne sont pas trop farfelues. Voilà pour le retour de course. Comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 146,43 €. Sachant que j'ai les moustiquaires qui sont dans ma voiture, je ne vais pas vous les montrer. J'en ai acheté deux, il y en avait pour 13 euros l'unité, donc moins 26 euros. J'en ai eu pour 120 euros, sachant que je n'ai pas que de l'alimentaire, j'ai les crocs et le seau et la brosse. Allez, on va dire, il y en a 10 euros en tout. Même, ouais, c'est ça, il y en a à peu près pour 10 euros en tout. Ce qui fait que j'en ai eu pour 116 euros. Donc je suis super contente parce que je n'ai pas explosé mon budget alimentation et qu'on a largement assez pour la semaine. Voilà. Je vous souhaite eh ben, une bonne journée et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!